Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Où acheter les moins chers. Alors, ça fait plusieurs mois que j'entends parler d'une pénurie de paracétamol. Alors, je voulais faire le point avec vous parce que j'arrivais au bout de mon stock. Cette histoire de paracétamol, ça inquiète tout le monde. Et il y a beaucoup de désinformations, d'autant plus de désinformations qu'il y a de la panique et le médiatique et le politique qui récupèrent ça. Donc je viens de recevoir là mon colis, mon complément de stock, mon nouveau stock. Bon attention, hein, c'est pas du sucre, hein, on peut mourir hein, si on en mange trop de ça, hein, si on en avale trop. Bien suivre les recommandations de ce qui est marqué, je ne vous les donnerai pas parce qu'elles sont indiquées dans la boîte et par les médecins. Quelques petites remarques. On est en période de pénurie. Bon, moi j'avais peur parce que je me disais, aïe, pénurie, ça veut dire des prix les plus chers. Eh ben figure-toi que ça m'a coûté moins cher encore de passer par une pharmacie en ligne, la même pharmacie en ligne pourtant. Ça m'a coûté moins cher que la dernière fois que j'en ai acheté, ça devait être il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi peut-être. Alors, du coup, c'est un peu surprenant, pénurie, moins cher. Bon, certainement parce qu'il y a le législateur en France qui encadre les prix, on n'est pas aux États-Unis, donc effectivement, les prix sont protégés. Les prix ont quand même monté, effectivement, sur la boutique en ligne que je te montrerai, c'est celle par laquelle je passe pour le paracétamol, parce que d'après mes recherches, c'est le moins cher. Mais je passe pas par elle pour tous les produits. Hein. J'ai trouvé une autre pharmacie qui est moins chère, par exemple sur la Biafine. Mais cette pharmacie en ligne elle est très intéressante pour la Biafine. Mais il n'y a pas de paracétamol. Donc moi je fais en fonction. Bonne nouvelle. Hein. Ça, un truc que je vais vous donner, cette information que je vais vous donner dans le ramdam médiatique, on ne vous la donne pas. Le prix a baissé parce que la livraison, il y a 1 an et demi, 2 ans, en relais pick-up, c'était 5-6 euros. Et là, 2 ans plus tard, c'est 2 euros. Donc tu comprends bien que quand tu achètes un lot de 10 boîtes de paracétamol, 10, 15 dans ces ordres-là, et que tu as le seul frais de livraison, déjà tu payes moins cher que si tu allais en pharmacie, et en plus le frais de livraison passe de 6 euros à 2 euros, ça explique pourquoi c'est moins cher effectivement de faire du stock. Alors effectivement, sur le site que je te mettrai dans la description sur la vidéo, je te mettrai les refs de ce que j'ai trouvé, il n'y a aucun lien dans l'affiliation, c'est pas de la pub, je gagne pas d'argent, pas un copec. C'est juste des infos utiles. Moi-même, des fois, plutôt que d'aller chercher dans mes factures, je vais dans mes propres vidéos chercher les liens, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour être pratique. Donc effectivement, avant, sur le site internet, quand j'avais acheté, sur le site internet de la pharmacie, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je pouvais prendre jusqu'à 15 boîtes. 15 boîtes, donc là, tu as différentes marques. Différents conditionnements. Là, tu vois, tu as Doliprane Tabs. J'ai pas compris la différence avec Doliprane normal. Bon, moi, il y a 1 gramme de paracétamol. Bon, moi, je suis un individu d'1,85 m et je pèse 110 kilos en ce moment. Voilà pourquoi c'est du 1 gramme. Vous n'êtes pas censé rigoler avec la posologie que vous prenez, encore une fois. Hein. Je le rappelle parce que ça, c'est pas pour ma compagne qui fait 70 kilos, d'accord? C'est pour moi. Elle, c'est plutôt 500 mg. Enfin, c'est avec un médecin que vous devez discuter de ça. C'est pas nous qui devons discuter de ça de manière unilatérale. Il y a plusieurs marques, voilà. Alors bon, des fois j'ai l'impression que certaines marques sont moins bonnes que d'autres, mais je sais que le marketing. Oh, la boîte jaune, bien jolie, jaune et rouge qui me rappelle mon enfance, des Ferralgan, d'Afalgan, tout ça. C'est possible qu'en fait, voyez sur ces conditionnements un peu génériques. C'est moins cher déjà, c'est moins cher, intéressant, hein, facile. Même quantité de paracétamol dans cette boîte que dans celle-là, par contre, il y a 1 euro, 1,50 € de différence. Donc voilà. Des fois, c'est vrai que la dernière rage de dents que j'ai eue, enfin, la dernière douleur dentaire, j'avais l'impression que c'était légèrement moins fort. J'avais tendance à les prendre en dernier, celle-là et puis celle-là. J'avais l'impression que c'était moins efficace, mais je pense que c'est plutôt dans ma tête. Je te recommande donc d'aller voir cette pharmacie si tu as besoin de paracétamol. Je ne te recommande pas de te créer un besoin de paracétamol et de céder à la panique. Parce que, je te disais, il y a 2 ans, j'ai pu commander 15 boîtes, je crois. Là, c'était limité à 10. Bon, voilà, manifestation de la pénurie. Donc, effectivement, c'était passé à 10 boîtes. Ben, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est du 1 gramme, hein, toutes les boîtes hein, que j'ai prises. Hein. Donc, effectivement, j'ai pas pu prendre 15 boîtes que 10. Bon, moi, je m'en fous. Si j'en prenais 15 avant, ou 12 ou 13, c'était surtout pour mutualiser les frais de port, effectivement. Et puis là, les frais de port, ils sont passés de 6 à 2 euros. Donc, j'étais plus détendu. Et comme je te dis, au final, j'ai encore payé moins cher alors que j'en ai acheté moins. Tu vois? Et qu'on est en pénurie. Et que les prix ont augmenté. Effectivement, sur certaines boîtes, il y avait 50 centimes de plus. Sur certaines boîtes, les boîtes où, de toute façon, même si tu as 50 centimes de plus, c'est peut-être des boîtes qui sont des marques, en fait. C'est parce que
T'es habitué à la pharmacie, ils mettent en avant ces produits-là, là. Il y a tout un marketing en fait, hein, extrêmement travaillé, des petites couleurs sympathiques. Mais c'est pour ça que je vous recommande d'au moins aller prendre du renseignement, même si vous n'achetez pas, parce que même si vous n'achetez, vous n'aimez pas acheter en ligne, allez voir cette boutique en ligne, parce que contrairement à la pharmacie, vous avez le pharmacien qui fait un énorme filtre. Déjà, le pharmacien, c'est lui qui décide de combien il a de marques, de s'il achète certaines marques ou pas. Donc dans votre pharmacie, ben, il y a peut-être pas le Doliprane Tabs, il n'y a que le Doliprane normal. Moi, je précise que je préfère du comprimé ou de la gélule. J'aime pas l'effervescent, je trouve pas ça pratique. Donc je suis tablé là-dessus, je sais, oui voilà, j'ai fait quelques exceptions pour combler mon stock. Et parce que des fois, ben, il y a du gélule, 1 gramme, qui est financièrement 50 centimes moins cher que du comprimé. Voire plus de 50 centimes de différence, voilà. Donc il y a des références très intéressantes aussi d'autres marques que j'ai trouvées sur cette pharmacie, que j'ai pas acheté parce que c'était plus cher, mais je vous dis, c'est ça, ce qui est intéressant sur la pharmacie en ligne, vous voyez des marques, ça, cette marque, moi, depuis l'enfance, j'ai jamais vu. C'est la moins chère, c'est intéressant financièrement. Et il n'y avait pas que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre du renseignement sur la boutique en ligne, parce que contrairement à la pharmacie, le pharmacien, il ne te montre pas son stock, il ne te montre pas son panel de diversité, il te montre ce qu'il a envie de te montrer et ce sur quoi il marche le plus. Sur le site internet, il y a moins de filtres. Donc effectivement, tu vois plein de références. Il y a des références que je n'ai pas achetées. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous dis, allez voir un peu, parce que c'est très intéressant de voir les différents trucs. Le truc que les pharmaciens ne veulent pas trop nous montrer d'habitude. Et encore une fois, le fait d'avoir la pharmacie en ligne, ça m'a permis de réaliser quelque chose, c'est de faire des économies déjà. J'ai fait mon stock, je suis tranquille, je ne vais pas paniquer, je ne vais pas débouler, devenir violent. C'est que j'ai pu prendre le conditionnement que je voulais. Comprimer ces câbles ou de la gélule. Je ne veux pas d'effervescent. Quand tu vas à la pharmacie, tu es un peu tributaire de ce que la pharmacienne va te dire, à bien vouloir te montrer, ou de ce qu'elle a effectivement dans ses stocks. Ben là, il y a moins ce problème. Je fais cette vidéo parce qu'avec la peur qu'il y a en ce moment autour du paracétamol, c'est plus facile de faire payer le pélo moyen comme toi et moi plus cher. Ou voilà, si t'as pas envie que ta femme se fasse gruger, petit stock. Après, ça n'empêche pas ta femme de se faire prescrire du paracétamol de son côté aussi. Hein. Moi, je suis pas remboursé là-dessus. Hein. Mais j'accorde une grande valeur au fait de savoir où j'ai du paracétamol et le fait d'avoir du paracétamol chez moi, même si j'ai un départ de douleur dentaire, un dimanche à 17h, tu vois. Puis en plus, il vaut mieux que j'ai du stock parce que quand il y a quelqu'un dans mon groupe familial ou dans mes voisins qui a un problème, syndrome prémenstruel par exemple, mais qui va aller chercher le comprimé de paracétamol, eh bien c'est moi. Et qui s'est occupé de ranger le paracétamol pour que ce soit un endroit inaccessible pour les bébés et pour que ce soit accessible, qu'on sache où c'est au moment où on en a besoin, ben c'est moi aussi. Et puis encore une fois, même dehors, toi-même ou moi, on a déjà eu besoin de l'assistance d'un autre citoyen dans la rue, de lui demander est-ce que dans votre sac vous auriez 1 gramme de paracétamol, c'est pour moi, parce que j'ai un problème ou c'est pour ma compagne. Ben on est bien content qu'effectivement il y ait du paracétamol chez les autres. Et mine de rien, ça c'est un exemple pratique que le paracétamol dont on va avoir besoin quelqu'un à un moment donné, c'est un paracétamol qui se trouve dans le stock de quelqu'un d'autre. Donc quand on pense à se préparer, à faire du stock, ben il faut y penser. Celui qui possède le paracétamol, ce n'est pas forcément celui qui va le consommer. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez collecter à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes uniquement dédiés à la série, à la thématique où trouver les moins chers.